بسم الله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. Bonsoir. Je vais vous réciter un hadith rapporté par le Bayhaqi, que la paix d'Allah soit sur lui. Il dit, ce qu'il rapporte des hadiths du prophète Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui. As'aluka Allahumma ar-ridha ba'da al-qada. Je vous demande, ô mon Dieu, le plaisir, que ce soit de votre part, de la mienne, ba'da al-qada, après ce que j'ai commis. Allahumma as'aluka ar-ridha ba'da al-qada, c'est-à-dire je ne flanche pas et je ne, comment dire, je ne patauge pas et je ne m'embourbe pas dans la culpabilité. Parce que vous êtes le pardonneur, donc je suis sûr que votre pardon, il est toujours donné à profusion. أسألك اللهم الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت, c'est-à-dire le calme et la douceur et la saveur la fragrance de la vie après la mort, post-mortem. ولذة النظر إلى وجهك, et comment je vais goûter lorsque je vous vois en face. C'est-à-dire, je vais tirer beaucoup de délices et je vais savourer dans la contemplation de votre visage, de contenance of Allah. Shawqa ila liqa, c'est-à-dire, je suis toujours prompt à vous rencontrer. Comment dirais-je, je veux accélérer le temps pour vous rencontrer. Shawqa ila liqa, c'est-à-dire, tout mon être il est happé par par cette image-là, par ce désir-là. Donc c'est un souhait très fort. C'est-à-dire sans que m'attrape quelque chose qui peut m'esquinter, qui peut me faire mal. Et aucune séduction qui peut me faire dévier. Et je demande votre protection, votre comment dirais-je, mon rapprochement à vous. C'est-à-dire que pour que personne ne peut me faire du tort, et même moi, je ne suis pas un fauteur aussi. Donc je ne suis pas un transgresseur, ou bien ne laisse pas n'importe qui me faire du tort. Ou aksiba khati'atan ou dhanban la taghfiru, évite-moi que j'acquière quelque chose qui est très lourd en péché. Ou aksiba khati'atan ou dhanban la taghfiru, c'est-à-dire évite-moi les graves fautes que vous ne pardonnez jamais. Wassalamu ala man ittaba al-huda.